You just made me laugh. Come on, Joe. Just woke up and, you know, just getting some fresh air. I have some shopping to do today, yeah? Yesterday, I was watching Shaka Zulu. Oh, yeah. I just came on the stage as Saka. Shaka Zulu doesn't want kids. Yeah? You know, this phone call, someone has been trying to reach me since we've been talking. You just made me laugh. Yeah, with some popcorn, yeah. Uh-huh. Yesterday, it was amazing. Ah. No, come on, no. So, yeah. I cooked yesterday, I ate fufu. With some, you know, pondu. I need to get this call, really. Urgently, yeah? Yeah, let me call you back, yeah, bye. It's just making me laugh, you know. Allô? Yeah? No, je sors dehors. Oui, je suis en train d'aller faire quelques courses. Quoi encore? Coronavirus, je ne connais pas. Non, j'ai pas suivi les informations depuis coronavirus. Coronavirus, c'est quoi ça encore? Ok, laisse-moi te rappeler. Oui, oh, le téléphone sonne, Marika, please. Le téléphone sonne. Okay. Coronavirus, c'est quoi ça encore? Allô? Ok. Quoi, demande à pas église? Non, c'est pas possible. Moi, j'ai des choses à faire demain à l'église. Tous les programmes qu'on a préparés. On est à 3-4 jours de la convention. La loi, coronavirus, quoi encore on vient? Non, attends. Ah. Quand? C'est quoi? C'est une malade. Non, attends. Attends, regarde, laisse-moi te rappeler. Écoute, je fais les courses. Laisse-moi terminer ce que je fais, puis je te rappelle. On va un peu parler de ça. Yeah, OK. Yes, allô? Oui, papa. Oui, je suis sortie faire quelques courses. Hein? Qui? On a parlé hier. Il était malade. Oh, ça peut pas être possible. Oh, non, ça peut pas être possible. Non, ça peut pas être possible. Non. Oh, coronavirus. Je sais pas, c'est quoi cette histoire? Depuis que j'ai commencé là tout à l'heure, t'as dit qu'il était malade. De quoi? Oh non! Oh non! Oh my God! Oh. C'est pas une bonne nouvelle, ça! Et ça prend comme ça! Ah, oh, c'est pas possible! Laisse-moi te rappeler, papa. Laisse-moi vraiment, cette nouvelle n'est pas. Laisse-moi te rappeler. Attends. Coronavirus. Attends, on vient de m'appeler. Coronavirus. Dimanche passant, on nous a parlé des signes de la fin de temps. Et puis. Attends. Est-ce que. Et si moi aussi, j'ai la maladie, est-ce que j'irai au ciel? Est-ce que... Attends, l'apôtre Alidon a dit qu'il fallait se repentir pour la vie éternelle. Attends, c'était hier qu'on a mangé ensemble. Et si moi aussi, j'ai ça donc? Ah, il y a des choses que moi j'ai faites. Donc moi aussi je dois commencer à mettre ma vie en ordre.
se repentir. Donc il faut que je commence, mais je dois commencer à me repentir maintenant. Oh my God. J'ai menti. L'adultère, oh Dieu, pardonne-moi. Oh, donc je dois prier. Je dois prier pour papa, pour maman, pour le monde entier. Pardonne mon péché, pardonne mes péchés de mon papa, de ma maman. Ah! Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Elle est sûre qu'on la filme. Faut pas me filmer. Je suis directeur de ce film quand même. Oh, je dois me repentir. Merci. Parce que je ris. Donc je dois prier. Je dois prier pour papa, pour maman, pour le monde entier. Salut à tous ceux qui seront en train de suivre ce petit spot. Et je pense que le petit sketch que vous venez de voir est un petit message. Un message au monde. Un message à nos communautés. La foi, elle peut être facile. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais elle nous demande une chose, la repentance. La repentance est une puissance. La repentance est un shift, un changement de mentalité. Et cette mentalité demande à ce que nous puissions écouter ce que la voix de l'Éternel dit. Et elle déclare que si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux et je pardonnerai, je guérirai son pays. C'est le moment du pardon, c'est le moment de chercher Dieu en faisant des bonnes actions. Et c'est le moment d'exercer la foi. Distribuer ce petit sketch et surtout
On se revoit très bientôt. C'est l'apôtre Mylène. Soyez bénis.